Un petit peu de contexte. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux, que Bruno Le Maire a sorti un livre qui fait un petit peu débat, étant donné que dans le livre, il y a des passages très explicites, érotiques. Alors, je vous le mets à l'écran maintenant, le passage qui fait débat, vous pouvez faire pause si vous avez envie de le lire, mais je ne le lirai pas, étant donné que YouTube ne va pas trop apprécier. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Olivier Dussault était en interview et on lui a posé la question « Qu'est-ce que vous pensez du livre de Bruno Le Maire ?» Et ça donne une séquence qui est assez malaisante et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ok, let's go. Vous évoquiez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. J'en profite pour une toute dernière question. Son dernier roman, Fugue américaine, a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux, du fait d'un passage érotique particulièrement explicite. Hein, je ne le citerai pas pour ne pas choquer les chastes oreilles des auditeurs ce matin. Est-ce qu'un ministre de l'économie peut écrire cela ? Bon les gars, je suis dans la merde. Un ministre de l'économie peut écrire, moi je n'ai pas le talent pour écrire. Je ne sais pas faire ce genre d'exercice. T'es mauvais. Quelle que soit d'ailleurs la nature des mots. Mais il a toujours écrit. Vous l'avez lu ce passage en l'espèce ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de décalage dans le moment de crise sociale que l'on vit ? On est 1er mai aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes, et là, un ministre de l'économie dont on voit ce passage, je pense. Je pense que c'est aussi une forme d'humanité, ça montre que même derrière les costumes de ministres qu'on nous reproche parfois, il y a des sentiments, Oui, je l'ai lu, mais je n'ai pas encore lu le livre, j'ai lu le passage. Et ce passage, qu'est-ce qui vous inspire ? Mais moi, je veux faire l'amour ! Qu'est-ce qui m'inspire ? Il m'a fait sourire, et voilà.